Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And we'll see in this video les expressions, but then of course we will cover only one French expression, and the expression that we will see is se faire comprendre. 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 Okay, here is the translation in English. And let's see one example. An example. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas, pas à me faire comprendre. And so, of course, we saw that this expression is starting with "se", and then, if you want to conjugate. These verbs normally you will have to modify this se part according to the subject. Okay, so we'll see that for the first person, je, okay, you will have to replace se and put me. Je me fais comprendre. Okay, so you just conjugate your verb after and normally. Tu te fais comprendre. Okay, then for the third person, masculine form. Il se fait comprendre and the feminine, elle se fait comprendre. Okay, so keep in mind that you will have to modify it. I mean this se part here. Me, so je me for the first person, te, tu te for the second person of the singular. Then se is actually not changed here. Il se fait comprendre, elle se fait comprendre. And so let's see how it will go for the plural form. Nous nous faisons comprendre, vous vous faites comprendre, ils se font comprendre, elles se font comprendre. Okay, so nous, nous, then vous, vous, ils se for the masculine, elles se for the feminine. Let's see few tenses now just to see how to conjugate this expression. So, pour le futur simple form, elles se feront comprendre. Conditionnel présent, elles se feraient comprendre. Futur proche, elles vont se faire comprendre. Subjonctif présent, qu'elles se fassent comprendre. And let's see now four tenses of the past. Passé bah, composé, elles se sont fait comprendre. Imparfait, elle se faisait comprendre. Passé récent, elles viennent de se faire comprendre. Plus que parfait, elles s'étaient fait comprendre. Au revoir et à bientôt.